Peta Damba, Peta Koufé, Gil Karan, ces draps sont les plus demandés par les femmes à l'approche de l'Aïd pour embellir leur maison. Fatima Aboudou confectionne ses draps depuis plus de 30 ans avec ses doigts de fée. Mais ces dernières années, elle a vu son chiffre d'affaires nettement baisser. Et pour cause... Actuellement, je n'enregistre pas beaucoup de commandes car je subis la concurrence malgache. Elles vendent beaucoup moins cher. Pourtant, ce n'est pas de la bonne qualité. C'est certes joli, mais ce n'est pas l'idéal. Du coup, beaucoup de gens préfèrent acheter les draps malgaches. Mais malgré cette concurrence, notre couturière continue à travailler passionnément. Une question de persévérance et de tradition, avec le soutien indéfectible de sa clientèle. Les draps made in Mayotte sont vraiment très bien faits. La broderie est très bien soignée. Il n'y a pas de défaut quand on regarde comme ça. On voit tout de suite que c'est vraiment bien soigné par rapport à celle de Madagascar. On voit tout de suite quand on regarde celle de Madagascar, il y a tout de suite des défauts, des fils qui sortent un peu. C'est pas bien soigné et ça s'abîme rapidement. Au bout de quelques années, 2-3 ans, on voit déjà que c'est un peu déchiré. Alors que celle de Mayotte, ça dure vraiment très très longtemps. C'est cher, mais c'est vraiment du vrai. Une qualité qui a un prix. Jusqu'à 80 euros pour une pièce de rideau et jusqu'à 300 euros pour d'autres gammes. Par rapport au prix, étant donné que c'est du local et j'aime privilégier le produit local, tout ce qui est produit local, je me dis, autant, étant donné que ce sont nos mères quand même qui nous ont élevés et qui prennent du temps pour confectionner ces bijoux, parce que je peux appeler ça comme des bijoux. Donc, même si c'est cher, mais je me dis que le rapport qualité-prix est là. Avec des couturières animées par l'amour du travail fait main, et avec une clientèle qui reste fidèle à la tradition, le Made in Mayotte a encore de beaux jours devant lui.